Come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Of the darkest dungeon. Salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Darkest Dungeon. Donc épisode découverte puisque je n'y ai pas joué. J'y ai joué un petit peu pour voir vite fait. Mais sinon, je n'ai rien fait d'autre. Clique sur la lettre pour commencer. Du coup, on va nommer notre ville. Je sais pas ce qu'on va nommer en fait là, notre partie, hein, tout simplement. Hérésie. Non. Darkest Hérésie. Voilà. On s'en fout, hein. De toute façon, c'est que un an de partie. Et encore une cinématique, chute! Taisez-vous! You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Et du coup, on se retrouve sur l'ancienne route, navigation sur la carte. Tu es actuellement dans une salle. Pour aller de l'avant, clique sur une autre salle, sur la fenêtre de la carte. Cela te conduira au couloir de connexion. Très bien. Donc, nous sommes Reynolds, hein, donc Ryan Reynolds, oui, bien sûr. Et voilà, c'est ça. Allez à cette pièce, ok. Les brigands sont maîtres de ces allées. Reste sur le chemin de traverse. Le chemin de traverse, ah ouais. Le hameau est juste devant. Déplacement dans le couloir. Dans un couloir, appuyez sur D pour avancer et sur A pour reculer. Si tu préfères jouer à la souris, tu peux cliquer. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour un... Et est-ce que c'est un jeu raciste?
Non, c'est bon, c'est bien D. Ou par contre, je perds quelque chose. Du stress, ok. Élimine sans pitié ce voyou. Que tous entendent parler de ton arrivée. Tu l'as mis. Le combat au tour par tour, lorsque c'est le tour de ton héros, clique sur une icône de capacité, puis clique sur une cible en survoyance. Si tu ne peux pas sélectionner une compétence particulière, c'est parce que ce héros doit se trouver dans un endroit différent ou qu'il n'y a aucune cible valide. Passe la souris sur la compétence pour voir les exigences requises. Donc là, par exemple, je ne comprends rien. Tir au pistolet à distance, près de base. Bon, je peux faire que ces deux-là. Ok. Bon, on va faire ça. Donc ça, c'est quoi? Ouvre veine. Frappe. Donc ça, c'est une frappe. Ça, c'est quoi? À distance. Donc là, il est à côté de moi, donc on va pas faire ça. Coup assommant. Étourdissement proba 100%. On va l'étourdir. Ouah! Allez, t'es deg. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, t'es deg, il est mort. Lentement, doucement. C'est ainsi qu'il faut prendre une vie. Par contre, j'ai enlevé les narrations, mais c'est pas cool, en fait. Voilà, j'ai remis la narration. Et donc là, nous sommes dans un cimetière. Il y a un camp ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Objet interactif. Curiosité. Lors de l'exploration, tu trouveras souvent des objets interactifs. Clique ou appuie sur W pour les examiner. Jette un œil sur cette tente. Ok, très bien. Ok, regardez dans la tente. Des sous, tout prendre. D'accord. Et donc là, on a... Oh là là! Il est gros, lui. Une embuscade, envoie un message... Aïe! Mais qu'est-ce que tu fais? Je lis, là! Attends! Patiente. Le propriétaire, ouais, bah j'ai pas lu. Voilà, du coup, j'ai pas fini de lire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est à... Donc là, tir au pistolet, ça met les deux là. Ça fait les deux ou je peux... Ah non, il faut que je choisisse. D'accord. Mitraillette. Ah, les mitraillettes, c'est les deux. Bon, on va faire mitraillette alors. D'accord, tir à bout portant. What? Mais ça fait mal! Oh putain, il m'a niqué là. Donc lui, je peux attaquer... Bon, vas-y, frappe. Allez, 8. C'est pas mal, mais c'est pas folichon, tout ça. Oh, mais je prends cher. T'es sûr que c'est le début, là? C'est le tuto, ça? Merde. Je suis en train de me faire défoncer. Allez, frappe, frappe! Plus de fouille. Esquive, allez, dans ta gueule. Alors, il y a plein d'informations. Je sais pas ce que c'est. 3, qu'est-ce que c'est? Lumière faible. On verra plus tard. Il est mort? Non, par contre, il saigne. Il a combien de vie? Aïe, aïe, aïe. C'est bon, je suis là. Non, mais j'aimerais bien toucher l'autre, en fait. Bon, fais ça. Allez, il est deg. Bon, il reste plus que lui, ça devrait être facile. Il a l'air plus petit et plus faible que l'autre. Donc vas-y, frappe! 12, allez, dans ta gueule. Oh, ça fait mal, 12. Fouiller les dépouilles, ok. Réalisation d'une quête. Après avoir accompli les exigences d'une quête, tu as l'option de retourner en ville à tout moment. Il suffit de cliquer sur le blason. Tu n'as pas besoin de revenir dans la salle de départ du donjon pour sortir. Ok. Retourner au hameau, continuer l'aventure. Ouais, mais il y a un coffre là. Continuer l'aventure. Ouvrir. Coffre piégé du bandit. Ah. D'accord, coffre piégé. Donc du coup, il est piégé. Donc vaut mieux pas que je le prenne. Est-ce que je peux choisir la personne qui va l'ouvrir? Si je fais lui... Alors on va faire lui plutôt, puisque lui il est devant, donc c'est obligé que c'est lui qui choisisse. Ah oui, il est piégé! Évidemment, et il n'y a rien à l'intérieur. C'est pas parce qu'il est piégé qu'il n'y a forcément rien à l'intérieur. Hein. D'accord. Donc en cliquant là-haut, ça... Ok, très bien. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Blason, signe d'honneur pour les actions passées de la famille. Ok, bon. Pour l'instant, les informations, on les accepte et on verra plus tard. Hein.
Ah, qu'est-ce que c'est? 100 épées. Plus 10, plus 10% résistance à l'infection. Ah, ça, c'est cool. Je sais pas si ça fait vraiment mal, l'infection, mais c'est cool. Welcome home. Bienvenue chez toi, pour ce que cela vaut. Ce hameau sordide, ces terres corrompues sont désormais à toi, et tu es lié à elles. D'accord. Donc on a que ces deux personnes. Termine avec succès ta première incursion dans les ruines. Ok. Obtiens de l'aide où tu peux, sur n'importe quel écran de jeu. Oui, ça, on s'en fout de l'aide, on verra plus tard. La diligence. Ouais. Tu auras besoin de recruter ces deux héros pour créer un groupe de 4. Fais glisser et relâche-les dans ta liste des équipiers. Pendant que tu es là, dépense un peu de tes ressources de départ pour améliorer le réseau de diligence. Ça augmentera le nombre de héros disponibles ici à l'avenir. D'accord. Donc, comment on augmente? Donc, eux, apparemment, il faut les faire glisser là. Oui. Là, il y a un truc qui clignote, ça. Ah, voilà. Améliore la diligence, augmente les héros disponibles chaque semaine ou la taille de la liste de tes équipiers. D'accord. 4 sur 9 pour l'instant, on va pas augmenter. Donc ça c'est quoi? Augmente le nombre. Allez hop. Et ça dépense quoi? Dépense bouclier et ça. Contrat. Utilisé pour améliorer, d'accord. Et blason. Ah, donc les blasons ça sert à améliorer les bâtiments. Ok, très bien. Ensuite, nous avons les mémoires ancestrales. D'accord, c'est pour lui raconter son histoire, c'est ça? Ancienne route. Ça, c'est... Maintenant, ça, j'ai déjà vu ça. Ok, très bien. Cimetière. Il n'y a personne dans le cimetière. C'est à nous de le remplir, et oui, parce que ce jeu est très punitif. Mais vraiment, très, très punitif. En gros, si tu meurs, tu meurs. Hein. Voilà, il n'y aura pas de seconde chance ou de ressuscit. De ressuscitation, ouais, j'allais dire. Non. De résurrection. Et donc, je sais pas quoi faire, donc on va se préparer. Voilà, on va mettre des habits un peu. Le domaine tentaculaire, d'accord, c'est là, dans la cinématique, c'est ce qu'on a vu, alors. Là, le donjon ténébreux. Donc là, c'est quoi, ça? Champion niveau 6, oui, non, on ne va pas aller là. Apprenti niveau 1, c'est mieux. Mets-toi à l'épreuve dans le royaume dément de ton ancêtre déchu. Observe comment les créatures ont pris le dessus, mais ne va pas trop loin. Ok, très bien. Explore 90% des pièces. D'accord. Donc ça, apparemment, c'est l'objectif. Former un groupe, d'accord. Donc on va mettre... Est-ce qu'on peut les renommer? Ah, on peut les renommer. Je vais pouvoir leur donner un nom et m'y attacher un peu plus vite. Donc lui, alors Reynolds, hein, voilà, Ryan Reynolds, donc on va l'appeler Deadpool, parce que voilà, je suis fan de Deadpool, donc forcément, bah, Deadpool, hein, voilà, fatalité le Reynolds. Donc lui, ça me les met en plus, un bandit célèbre, ouais, on va l'appeler Giovanni, voilà, ça sera le parrain. Giovanni. Ensuite, Fentry, Docteur la Peste. Il ressemble un peu à l'épouvantail de Batman. Alors on va l'appeler l'épouvantail, voilà, très bien. Tout ça manque d'originalité, mais c'est... J'aime bien, voilà. L'épouvantail. Et elle... C'est quoi ça? Changer de tenue. Ah, on peut changer de tenue, ça c'est cool. Comme ça, elle me paraît bien. Et on va l'appeler... Tris Merigold. Je sais plus comment ça s'écrit, on va juste l'appeler Tris. Voilà. Voilà, petit clin d'œil à The Witcher, hein, placement de produits et tout le bordel. Alors c'est quoi ça? 10 PV max. En ville, ne peut pas se faire flageller pour déstresser. Ok, et lui. Donc, d'accord, ça c'est des manies. Donc ça c'est des désavantages et ça c'est des avantages. Ok. Alors. Ah, place favorite. Ah, d'accord, les petits trucs là, comme ça, j'avais vu ça sur les techniques. Voilà, là. Ah, donc ça, c'est les places, ok. Les petits ronds, c'est les places, ok. Donc, hop.
peu. On va te mettre... Donc du coup, on va te mettre à ta place favorite. Hein. On va te mettre ici. Et toi, on va te mettre ici. Voilà. Provision. Le coût de la... Hein? Ouais, en or. Et plus tard, en sang. Tu voudras prendre différentes positions. Non, provision. Mais j'en aurais pas forcément envie, hein, on sait jamais. S'il faut, moi je suis un warrior, j'y vais sans provision. Et du coup, de la longue blablabla, toujours de la nourriture et quelques torches. Pour ta première petite quête, essaye d'emporter au moins 8 unités de nourriture et 4 torches. On va faire ça. Alors, 8 unités de nourriture et 4 torches. D'accord. Et donc, ah ouais, ça dépense pas mal d'argent. Se préparer. Go, let's go. Le panneau du héros. Clique droit sur l'image ou le portrait d'un héros à tout moment pour afficher un panneau détaillé indiquant toutes ses manies, compétences et résistances. Ouais, ça j'avais compris. Ah, mais si je le fais là maintenant, je peux le faire. D'accord, ok. Ok, très bien. Donc là, là je suis où? Faut aller à la pièce suivante. Voilà. Avançons, avançons. Suivez-moi, je connais un passage. Une torche, youhou. Bah oui, je prends, bien sûr. Donc ça, c'est le stress, c'est ça? Oui, stress 19 sur 200. Je sais pas ce que ça fait, le stress. Mais ça augmente. Ah, un petit combat contre des manants osseux. Alors. Vapeur encourageante. 25% de dégâts en plus et 3 de vitesse, c'est ça? Étourdissement. Ah, ça c'est bien. Étourdissement. J'aime bien. 100% en plus. Allez hop là, il passe devant. Je sais pas à quoi ça sert, mais il passe devant. Donc eux, ça fait rien de plus. Bon, on va faire ça. Allez, tiens, dans ta gueule. Ah, il résiste au saignement. Bah, c'est normal, c'est un squelette. Donc toi, t'as quoi, toi? Lumière aveuglante. Jugement. Soigne 3... Hein? C'est quoi ça? Ah, on peut le faire sur soi pour soigner 3 points de vie. D'accord, ok. Donc c'est une attaque et en même temps un heal. Bah vas-y, tue-le lui. Allez, dans ta gueule! Dépouille. En mourant, les monstres laissent en général une dépouille. Celle-ci agit temporairement comme un obstacle et finit par disparaître toute seule. Tu peux attaquer les dépouilles pour les détruire plus vite, mais il est souvent plus judicieux d'utiliser des capacités d'attaque à distance, d'attraction, répulsion, ou même les capacités spéciales d'éradication de dépouilles de certains héros. D'accord. Et donc apparemment, avec le saignement ou autre maladie, s'il meurt de ça, il n'y aura pas de dépouille. Donc là, si je fais ça, ça attaque les deux. Ah d'accord. Ça attaque même la dépouille. Et si je fais ça... Je peux l'attaquer lui, donc... Ah bah voilà, one shoot, allez hop là, dégage. 850 gold, ah ça c'est cool. Coffre déverrouillé. Un antique coffret et son contenu inconnu reposent sur le sol pavé glacé. On ouvre. Ok, je prends. Je sais pas ce que c'est, mais je prends. Alors. Là-bas. Allons-y. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Même la pierre froide semble vouloir empêcher notre passage. Dégager l'obstacle à la main, cela va demander des efforts considérables. D'accord, donc je peux utiliser la pelle pour passer, ok, très bien. Oui. Ah, des ennemis. Lui, il m'a l'air un peu plus fort. On va essayer de le focus. Enfin, avec qui je peux, en tout cas. Donc ça, je peux attaquer lui, c'est bien. Allez, étourdi dans ta gueule! Et du coup, je peux l'attaquer comme ça. Allez, ah, oh, esquive, merde. Merde! Et le mec, il montre un papier quand même. Ah! C'est le jugement divin! Vous êtes coupable de... Lisez la liste. allez, tue-le! Étourdi. Ah, ça étourdi. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Ok, très bien. Tire au pistolet. Vas-y, dégomme-le. Allez, hop, toi, t'es mort. T'as même pas pu attaquer une seule fois de la partie. Allez, t'es deg ou pas? Hop, étourdi. Étourdi, il est étourdi. Et toi, hop, étourdi aussi.
Allez! Ah, il a avancé, il a détruit la dépouille. Ok. C'est bon à savoir, ça. Et là... Allez, hop, un de moins. Il reste plus que toi, et toi, t'es mort. Hein. Hop, étourdi. Et... Ah, résiste. What? Mais il n'y avait pas écrit 100%? Ok. Ah, d'accord, et ils ont des résistances. Je viens de voir, j'ai vu un truc, là, ici, résistance. Il doit avoir résistance à étourdi aussi, hein. Bon, l'épisode sera un petit peu plus long, hein, puisque j'aimerais quand même finir le donjon. Hein, allez, vite fait, on va faire ça vite fait, mais... Faut que ça se termine. Par là. Ça me semble plus safe. Toujours tourner, jamais aller tout droit. La torche. La lumière s'affaiblit. Le niveau de torche affecte fortement un grand nombre de mécanismes dans le jeu. Plus il devient sombre, plus les choses se compliquent. Mais meilleures sont les récompenses. Ah, d'accord. Clic droit sur une torche de l'inventaire pour relancer le tour de la lumière. D'accord, c'est plusieurs tours. Alors là, oula, plus stress, plus précision et dégâts des monstres, je suppose. Plus héros surpris, mais plus de butin, plus de critiques joueurs. D'accord. Ah, on peut même l'éteindre carrément, ok. Donc là, on va utiliser une torche. Ça fait moins de stress, plus de repérage, plus de monstres surpris. Si on la monte au maximum. Voilà, plus... Là, ça fait pas de... Ah, merde. Ça fait pas de stress, ok, très bien. Je sais pas c'est quoi le stress, hein. Siffle. What? Eh, hey, mais... Rends-moi ça! Oh, le mec! Et me vole! Mais non, je le voulais. Enfin, une raison de sourire. Bah ouais, mais moi non. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas censé. En fait, moi, je dirige apparemment le truc. Je suis le fils de l'autre. Du vieux qui a libéré tous ces monstres. Et moi, je dirige ces mercenaires. Si j'ai bien compris l'histoire. Hein. On va tuer lui avec l'arbalète. Il m'inspire pas confiance. Eh, ils font mal, hein. J'ai que 22 points de vie, mais ils attaquent à 5, alors... Tiens. Étourdi. Ah oui, étourdi, il passe devant en plus. Ça, c'est bien. Il essaye d'attaquer lui. Étourdi, nickel. Est-ce que lui, il peut attaquer, du coup, vu qu'il est loin? Ah, il peut attaquer. Bon, c'est pas très grave. Tiens. Allez. Vous êtes étourdi, mais lisez quand même. Lui, il est encore étourdi, donc on peut attendre. Par contre, lui, on va, voilà, on va se dépêcher de le tuer. Allez, étourdis-moi celui-là. J'aime bien cette petite équipe. Elle est raisonnable. On étourdit assez. Du coup, il faut l'éliminer, lui, hein, parce que... Ah, résiste. Merde. Allez, tuez-les-moi. Ouh, critique de 12. Et ça, 7. Je sais pas ce que c'est. Je crois que ça descend le stress, mais je suis pas sûr. Ah, résiste, merde. Bon, on va se dépêcher de le tuer, vas-y, vas-y. Allez, hop là, même pas ils attaquent. Mais je suis trop fort, ce jeu est trop facile en fait. Fontaine sacrée. Fontaine décorée au rôle sacré. Qu'est-ce que ça fait? Sert à exorciser le mal et restaurer la pureté. Si je fais ça... Bénéfice divin. Ah, ça rend des vies. Oh, trop bien. D'accord. Alors là, je fais complètement au pif. Très bien. Oui, je dis que ce jeu est facile, hein, mais on est qu'au tutoriel là. Hein, c'est la première mission. Ah, un piège, what? Ah, ça fait mal. Ça fait mal au cul. Bon, avançons, avançons. Ah, du coup, il faut que je revienne là. 90%, on a combien de salles en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, je vais devoir revenir là. C'est pas grave, on reviendra après. Là, un sac. Siffle. Ah non, il va me le voler encore. Je le sens. Oh, le fils! Avec 10 de nourriture. Oh, t'aurais pu... Oh non, mais non, garde pas... Bon, tu mangeras tout seul, hein. Moi, je te donne pas à manger, mec. Tu me voles, t'as de la nourriture sur toi, je le sais. Même pas en rêve, je te nourris. Par contre, hop, l'épuisement. D'accord, manger. Non, pas lui! Mais non, le mec, je lui dis, même pas en rêve, je te nourris, et là, hop, manger. Allez, tiens, manger. ok, y a rien ici. Allons ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, un amas de terre. Est-ce que j'ai une pelle?
Ah, j'ai pas de pelle, ça c'est dommage. Bah, du coup, on va dégager à la main. Aïe, on perd des vies. Ouh, on perd du vie, des vies et du stress. Je sais toujours pas à quoi sert le stress. Hein, mais... Ça a l'air un mécanique assez important parce que c'est en dessous, comme ça, ça augmente, ça diminue assez souvent. Donc, hop. Toi. Étourdi. Allez, dans ta gueule. Vas-y, essaye d'attaquer celui-là. Tue-le-moi. Vas-y. Non, manqué. Manqué encore, mais c'est pas possible. Je manque toutes mes attaques. Fer de hache. Ouf, 6. Ça va, j'ai... C'est celui qui a le plus de points de vie, donc ça va, ça se passe bien. Aïe, 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 aïe. Arrêtez, laissez-moi attaquer. Bon, cela dit, je peux les soigner encore. Soigne-lui. Ah, 5 points de vie. Ah oui, pas mal quand même, les soins. Lame nocturne. Ok. Bon, vas-y, tue-moi celui-là, là. Hop là, il est mort. Toi, fais passer, du coup, lui devant. Elle est très bien, cette technique, j'aime beaucoup. Ça... En plus, ça supprime... Ouais, assomme celui-là. Allez, dans ta gueule. Le mec, il a assommé un squelette, quoi. Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka. Rigole pas, saleté de skull. Je vais faire une ferme à mob, tu vas voir. Oui. Donc ça, 25% de dégâts. Étourdissement. Ah, on peut étourdir avec ça aussi. Infection. Ah, ça, ça a l'air pas mal, ça. Je peux attaquer que le dernier, d'accord. Coup de baïonnette. Ouf. 7 points de dégâts, ça fait mal. D'accord, donc les critiques, puisqu'apparemment c'est la deuxième fois que ça m'arrive, ou la troisième, je sais pas. Les critiques, ça fait aussi du stress. Très bien. Allez, dans ta gueule. Ah, et quand c'est toi qui fais un critique, ça enlève du stress. Bon à savoir, ça aussi. Donc on va soigner lui parce que... Ah, y'a que 3, c'est tout. T'abuses, hein. Radine. Tris Merigold. Pas très utile. Allez, tue-moi celui-là, là. 11 points de dégâts, allez, dans ta gueule. Fais exploser lui, là. On le fait passer devant, ça sert à rien, mais au moins il est étourdi. Et toi, tue-moi celui-là, là. Allez. Hop, étourdi et infecté aussi. Du coup, là, je vais pouvoir le tuer. Jugement. Meurs. Voilà, c'est bon, il est mort. Du coup, je vais avoir le petit coffre, là. Ah, ça, il me le prend pas, ça. Hein. Ah, quête terminée. Ouais, mais on va continuer l'aventure, quand même, parce qu'il reste une zone, j'ai envie d'aller la voir. Ouais, moi, je suis du genre comme ça. Hein. J'aime bien aller voir... Ah, du coup, je dois faire tout le chemin inverse. J'aime bien aller voir un peu tout... Ok. Donc, il faut que je fasse tout le chemin inverse, et en même temps, le stress continue d'augmenter. Même si la quête, elle est accomplie... Il n'y a plus de mobs, ils s'en foutent complètement. Donc là, il faut aller là. Ok. Ouais, on va... Vas-y, mets la lumière. Parce que là, le stress, il augmente à une vitesse folle. Là, on va là. Et ce chemin, je ne l'ai pas fait non plus, donc il faudrait que... Aïe! Fuck! Je ne sais pas si on peut les voir, si on peut les repérer, les pièges ou pas, mais moi, je ne les vois pas en tout cas. Donc là, on arrive à la salle. Qu'est-ce que c'est? Un coffre. Ah, et des ennemis. Oula, lui, il a l'air fort, lui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont changé de place? Mais non. Vas-y, attaque celui-là. Là. Allez, saignement, dans ta gueule. Lui. Je le laisse pas attaquer, lui. Je sais pas ce qu'il fait, mais je le laisse pas attaquer. Enfin, elle a des nichons, regardez. Allez, dans ta gueule, j'ai bien fait de pas étourdir lui. Ah, il est passé devant aussi. En taille spectrale, très bien, on s'en fout, 18 points de vie, bref. Largement assez, par contre, toi, t'es tout derrière, ça va pas. Tu peux pas attaquer de derrière. Tiens, passe devant. Voilà. Du coup, je perds des tours, hein, puisque c'est à tour par tour, je vous le rappelle. Qu'est-ce qui... Ah, résiste, c'est bien. Attaque lui, là.
Saignement, nickel, c'est ce que je voulais. Du coup... Essaye d'étourdir... Ah ouais, je peux étourdir que celui au fond. Ah non, là non. Étourdis-lui. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est bon. Aïe, 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 non, non, 7. Je sais plus comment ce point de vie, oh là là. Faut vraiment que je fasse gaffe, hein, lui, il a plus beaucoup de vie. Esquive dans ta gueule. Il a combien de vie? 6 points de vie, et eux, ils m'attaquent à 6 des fois, alors faut vraiment que je fasse gaffe. Tiens, essaye de l'étourdir, lui. Ah, il résiste. Allez, le jugement! Un de moins. Accusation zélée. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah ben, vas-y, tue-le. Oh, critique de 13 alors qu'il avait plus de points de vie, ça sert strictement à rien, mais c'est pas grave, c'est très bien. Je l'ai mis plus bas que terre. Hein. D'ailleurs, je vais carrément supprimer sa dépouille tellement je suis allé violemment. Mec, il a mangé sa dépouille après. Allez, hop. Étourdi, tu vas rien faire. Allez, hop. Étourdi. Ça ne sert à rien. Et du coup, frappe. Allez, hop, il est mort. Donc là, il y a un coffre. J'espère qu'il va pas me le piquer. Ouais, mais du coup... Ouvre-le avec lui, parce que lui, j'ai peur qu'il me le pique. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, saignement, enfoiré. Là, t'aurais pu me le piquer, finalement. Du coup, faut aller là, parce que la pièce, là, j'ai pas... Est-ce qu'on peut changer en cours, là? Ah oui, on peut changer, d'accord, très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un sac. Le sac contient une clé et... Quoi? Et un blason. Ah, très bien. Le blason, j'en ai besoin. Et donc là, je crois qu'on a fini. Donc retour, voilà, retour au hameau. Tan, tan, tan. Succès déverrouillé, une collecte d'antiquités précieuses. Super. Donc 3000 d'or, 4 blasons et une paire d'infections, ça c'est bien. Ouh, et là je reçois plein de trucs. Allez, pim, 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 pim. D'accord, suivant. Ah, et ça revend tous les objets en trop, d'accord, ça c'est bien aussi. Penchant pour l'obscur. Enclin à rechercher les arts obscurs. D'accord. Explorateur des ruines. Plus 20 probas de repérage. Donc ça, c'est bien pour aller dans les ruines. Et tueur d'humains. Ah, ça, c'est bien aussi. Deux avantages et un inconvénient. Ah, ben voilà, c'est ça, ils en parlent. Alors, au fil du temps, certaines manies négatives seront verrouillées. Et deviendront sévères. De sévères manies négatives coûtent beaucoup plus pour être supprimées dans le sanatorium. D'accord. Ok, très bien. La taverne est désormais déverrouillée. Là-bas, il est désormais déverrouillé. Je savais que ce ne serait pas facile. Oh, Deadpool, quand même. C'était facile. Donc là, il y a des points d'exclamation, hein, comme dans les jeux, dans tout jeu où il y a des quêtes. Et ben, on verra ça la prochaine fois, parce que oui, un épisode pour la découverte, ce n'est pas assez. On va faire un autre épisode derrière. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous plaît. Mettez un pouce vert, et ou partagez si vous voulez hein, aussi. Mais mettez un pouce, parce que sinon, si vous n'avez pas de pouce, eh ben, moi, je ne sais pas que vous aimez, et je refais pas d'épisode. Alors, mettez le pouce, c'est important. Bisous à tous, bye bye.